Quel est votre but de cette manifestation? En fait, on est en train d'organiser un sitting en fréquentant le ballon animal. Objectif est sitting la vie et dans sa mort. Et chez OCC à Zala Awa, le Yoka Naye n'a air d'engagement, il faut engager 50%, 50%. Donc 50% de la population locale va gêner au Bana sur place, 50% est réservé pour la mamie au Bamou Jaïe, pour la Congolais. Mais curieusement, à chaque fois qu'on engage à Rabatou, localement, on va se faire rabatouter. Et pour l'époque, il y a des gens qui ont dit que l'on engage à souvent dans le cas là-dessus. Voilà pourquoi je tenais même mon avis sur les gens qui ont fait chasse les gens dans le milieu de l'Oba. Et puis, il y a un sitting pour ma continuation, ça va se faire un bel an à Bichou. Voilà l'objectif de notre sitting. Et on va continuer jusqu'à ce que tu reçois des choses. Chaque jour, tu reçois la Awa. Voilà l'objectif. Thank you.
Ministre de travail, pas 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 de trav
Martina. C'est pas ma gamme de continuer. Merci.
Après ce soir, pays, la RDC. Vis-à-vis de nos origines, nos coutumes, ainsi que nos provinces, nous méritons de bénéficier les droits d'une manière équilibrée, sans tenir compte de la géopolitique, mais en respectant scrupuleusement notre constitution à la lettre dans ses articles 23. Depuis plusieurs décennies, le constat fait est vraiment indiscutable. Très amer pour la simple raison que les entreprises telles que la SNEL, la Régie des eaux, la SILU ainsi que l'OCC ne respectent pas l'excellence de l'Office national de l'emploi, en sigle ONEM. Car à chaque opération précitée, ce ne sont que les enfants, les neveux, les cousins, mais encore les proches des hauts cadres, ainsi que le directeur qui tombe sur un millier comme des fruits mûrs, comme si Lukala en particulier et la province du Congo central souffraient d'un manque de crème intellectuelle. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Il est pour nous très aberrant de vivre la continuité de ce système. La première vague, car en ce moment, même où vous êtes en train de nous lire, une première vague sur les 45 prévus à l'agence de l'OCC Lukala sont déjà sur place, parmi lesquels quelques-uns sont déjà des sexagénaires. Et à la fin, ils permettent de parler d'un recrutement d'une main-d'œuvre dans le média, alors qu'en réalité, ils n'ont pour personne. Excellence, jadis le peuple Mukongo était toujours considéré comme un peuple mouton. Mais en 2007, avec l'événement survenu dans le Congo central, avec les adeptes de Bundudia Congo, pour le fait d'avoir dénoncé en criant haut et fort à propre de toutes les injustices subies ainsi que les discriminations qui ne disent pas leur nom, le pouvoir en place, ensemble avec plusieurs oiseaux de mauvais augure, avait condamné une géopolitique agglomération de Lukal. Pour votre information, a toujours été considéré pour une zone rouge par le simple fait que lorsque ses habitants tiennent à se revendiquer,
les droits qui vident leurs intérêts, ils le font avec détermination jusqu'à atteindre les objectifs, sans pourtant que tous les provocateurs violent leurs droits, ainsi que tous associés et tous associés auteurs de représailles ne soient réprimés. Car pour eux, ils avaient toujours cru cette meilleure façon de restaurer la paix. Excellence, le Congo a une histoire que nous connaissons fort et bien. Mais votre avènement au pouvoir était pour nous un salut parce que dans votre discours d'investiture, vous avez déclaré ce qui suit. 1. Vous serez le président de tous les Congolais et non d'une quelconque tribu. Vous allez restaurer un état de droit avec une justice équitable. Eu égard de tout ce qui précède, il y a eu de vous déclarer ouvertement qu'en dépit de toutes vos promesses tenues solennellement devant la nation, plusieurs autorités de toutes les entreprises dont les cas ont été déjà énumérés continuent à cracher sur le peuple du Congo et la population locale. Tel est le cas de l'OCC local. Nous aimerons alors savoir si jusqu'à ce jour, sous votre règne, le peuple Mukongo reste toujours considéré comme un peuple mouton. Le Mukongo est un peuple paresseux. Pour clôturer, nous vous exhortons de partager ces mots de Martin Luther King qui dit: nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux d'argent, mais de la justice, qui ne sont pas présents et dans la publicité, mais de l'humanité. Fin de citation. Bref, en présence ou encore à l'intervention d'un sapeur-pompier, vis-à-vis de ces dossiers vivement entendus, envie d'anticiper certains événements, de peur que vous veniez attaquer au fait, surtout que nous sommes en pleine année électorale. Veuillez agréer, messieurs, excellences, monsieur le président de la République, l'expression de nos sentiments patriotiques. Merci, je dis et je vous remercie. Bravo, commandant, commandant, commandant. Nous souhaitons un bon service. Bravo, 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 bravo.